Seigneur pour cela. Et nous prions Dieu de nous faire grâce parce que voilà, nous sommes en retard à notre lieu de rendez-vous. Nous nous excusons pour cela et nous prions que Dieu nous fasse grâce. S'il vous plaît, je vous prie de vous tenir debout pendant que nous allons commencer notre réunion. Ouvrons nos cantiques sur la page numéro 302. Thank you.
Nous voici devant ton trône de gloire ce matin, Seigneur. Nous voici devant ta face, encore ta face, encore une fois de plus en ce jour où tu as renouvelé ton amour envers nous. Oh Dieu, nous ne méritons pas ceci, Seigneur. Et c'est la manifestation de ta grâce et de ta bonté envers ton Église, oh Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes venus tels que nous sommes. Et nous te prions, Seigneur, de nous recevoir et de nous accepter tels que nous sommes, oh Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs à toi. Seigneur, viens appliquer ton sang précieux sur nous. Nous purifier, nous laver, afin que nous puissions être agréables ce matin. Parce que nous voulons que ce culte te soit agréable, Seigneur. Prends toutes choses sous ton contrôle, du début à la fin, oh Dieu, conduis-nous. Assiste-nous parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. En ce moment où nous sommes faibles, Seigneur, fortifie-nous. En ce moment où nous avons besoin de toi, les bons guides, viens nous guider, Seigneur. Viens nous conduire car nous nous attendons à toi. Bénis tous les services, oh Dieu. Bénis, oh Père, chaque cœur sincère qui est venu affamé et assoiffé de toi ce matin. Et ne laisse personne sortir de cette église comme il était venu. Oh Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens encore une fois de plus nous révéler ta parole. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous bénir ce matin. Viens, ô Dieu, nous délivrer ce matin. Viens, ô Seigneur, nous rendre à nouveau, ô Dieu. Merci infiniment parce que nous croyons que tu vas le faire. Tu es un Dieu qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ô Dieu, viens te manifester au milieu de nous. Envoie ton glorieux Saint-Esprit se mouvoir au milieu de nous. Laisse le Dieu m'aimer, que tout soit sous le contrôle de ton Saint-Esprit. Père Céleste, nous nous lèvons contre tout esprit qui témoigne par la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous les chassons dehors, au nom puissant de Jésus-Christ, parce que nous voulons t'aimer, nous voulons t'écouter en paix. Alors viens, Seigneur. Viens prendre toutes choses sous ton contrôle et viens nous conduire du début à la fin parce que tu es Alpha, tu es Emmanuel, tu es Omega. Bénis Seigneur la nourriture que tu as préparée pour ton Église en ce jour. Laisse que Dieu bien-aimé, cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs et que nos cœurs soient transformés, que nos vies soient changées, oh Dieu, parce que nous sommes bénis dans cette maison avec foi et c'est une maison de correction. Nous croyons que tu vas nous corriger, Seigneur. Nous croyons que tu vas redresser, Seigneur, là où nous avons fauché, parce que nous savons que tu es le Dieu qui a le pouvoir de le faire. Amen. Nous avons entre tes mains, nous nous consacrons à toi, Seigneur. Nous te glorifions, nous te bénissons. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur, bénis même ceux qui ne sont pas encore là, Seigneur. Presse-leur par, oh Dieu, qu'ils puissent nous parvenir et qu'ensemble nous puissions nous aider. Nous pensons à l'épouse parole partout dans le monde. Laisse que Dieu bien-aimé, que ton glorieux Saint-Esprit se manifeste partout où ce message est prêché. Laisse que Seigneur, que toi le Dieu Tout-Puissant, puisse bénir ce message, Seigneur. Bénis, ô Père, la famille du prophète Branham. Bénis richement ce message. Bénis Israël dans sa patrie. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Amen. Est-ce que c'est là? Alléluia. Nous vous bénissons encore une fois de plus le Seigneur parce qu'il a manifesté son amour envers nous. Est-ce que vous pouvez saluer le frère à votre côté, la soeur à votre côté? Je suis dans la joie de vous voir dans la maison de notre Père. Pendant que nous allons vous dire nos cantiques sur la chanson de nos 353. Cantique numéro 353. Je suis le seul qui a une mère, qui a
maison de Père, car nous venons vers lui, car nous avons un rendez-vous avec un homme important sur la terre. Je crois que cette journée-là sera spéciale pour vous. Vous allez vous préparer parce que vous voulez recevoir les maires de la vie. Vous voulez vous préparer parce que vous allez recevoir les gouverneurs. Ou vous avez un rendez-vous avec un homme important. Mais notre rendez-vous ce matin, c'est avec celui qui est plus que le président ou le roi de ce monde. Mais le Dieu de Dieu, dans le corps humain, il est descendu par la personne de son fils. Il a envoyé pour que nous ayons la vie. Ce matin, la vie est dans nos cœurs. C'est Jésus qui attire la vie. Il est bien vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, je me sens mieux. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue de nouveau, les amis de Jésus, mes frères dans le Seigneur, les compagnons de Christ, je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment, soyez disposés, nous allons, tout allez nous embarquer pour décoller. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai appris que il y a des bien-aimés qui sont arrivés, ils sont parmi nous. S'ils peuvent se lever, nous allons les accueillir. S'ils sont venus à l'église, nous pouvons les accueillir. S'ils se lèvent. Shalom, église. Shalom. Shalom. Moi, c'est le frère Bernard Koukou. Frère Bernard Lukuku. Oui, je viens de la RD Congo. Alors Dieu m'a fait grâce. Et maintenant, nous sommes ensemble avec vous. Amen. Grâce à Dieu que vous nous voyez ici parmi vous. Amen. Et encore une fois, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes marié? Oui, je suis marié avec la sœur Odette Kouéti. Et nous avons 6 enfants. Vous avez 6 enfants? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Vous avez trouvé la famille de Jésus. Amen. Nous sommes la grande famille de Jésus éparpillée dans le monde. Dieu a fait grâce, on vous bénit de nous retrouver. Personne n'avait un programme qu'on pouvait se revoir. Mais c'est cette grâce-là que Dieu a fait que nous puissions nous retrouver dans son corps. Quand vous avez appris qu'il y a aussi des frères et des sœurs, il y a une église, je crois quelque chose est ajouté à votre foi, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes heureux de vous accueillir dans le puissant nom de Jésus-Christ. Soyez à l'aise avec toute la famille. Ce sont vos sœurs, Nous sommes là pour nous aider, nous entraîner les uns les autres, parce que nous sommes tous de Jésus. Nous sommes la famille de Branham. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Oui, il y a un autre frère là-bas. Amen. Amen. S'il vous plaît. Frère Ardi Agor. Ok, Dieu vous bénisse, c'est bien aimé. Oui. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Frère Pascal, nous pouvons accueillir le frère. Au frère Joseph. J'ai trouvé
Nous pouvons prendre nos Bibles sans tarder dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 8. Seigneur, que tes promesses, Seigneur, soient édifiantes. Alléluia.
le nom de notre Seigneur, le merveilleux précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Au nom de Jésus, nous sommes heureux de vous revoir, de vous retrouver dans la maison du Père, parce que notre Père est parfait. Quand le Père est parfait, il veut que l'Église soit parfaite. Et Dieu a envoyé un message parfait. Et ce message produira une épouse parfaite. Cette épouse est par cette parole que Dieu a fait de préparer. Il est mis ce qui est mis dans la parole. Et nous devenons un. L'époux est parfait. L'époux sera parfaite. Nous monterons, un jour nous partirons, nous allons les rencontrer dans le ciel. Alléluia, nous partirons parce que nous sommes les premiers premiers qui s'accomplissent. Nous nous sommes pris à ce temps-là, nous ne sommes pas dans l'état de Noé, nous ne sommes pas dans l'état de Sodome et Gomorrhe, nous sommes dans l'état de Trana, dans l'âge de la Odyssée, où Dieu a fait ressusciter une église. Cette église est de la parole, cette parole vient de sauver la terre. Alléluia. Alléluia, je suis aimé, je suis le Seigneur, mon nom est rempli, je me servir par l'ennemi, témoigner pour la gloire de Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. C'est ma tête qui est aimée. Le dimanche passé, nous avons parlé de la perfection. Ce sont les enseignements qui se suivent, parce que nous avons parlé d'abord de la consécration de l'art. Nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé? Comment recevoir le Saint-Esprit? Après le Saint-Esprit, quelle est la vie que vous devez manifester? Vous avez reçu le Saint-Esprit, Dieu vous a visité. Quelle est votre vie après le baptême du Saint-Esprit? Oh, Dieu le soit le Seigneur. Et nous avons continué. Nous avons parlé des questions et réponses sur le Saint-Esprit de Dieu vivant. Et Dieu nous a encore conduit dans l'amour parfait. L'amour parfait, c'est Christ lui-même. Ce sera l'Église qui se présentera pour attendre l'avènement. Chacun de nous, Dieu le baptisera du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, priez le Seigneur, il descendra. Il a fait des promesses à ses enfants, il va les accomplir parce que nous sommes dans les promesses de Malachie 4. Alléluia. Enfin, les Malachie 4, fils et fils de Dieu, c'est vous les princes, c'est vous les princesses. Il y a une parole. C'est la parole qui nous prépare. Cette parole est capable de vous transformer totalement, de vous changer, parce que nous sommes nés pécheurs, nous sommes nés dans les nations, nous sommes nés dans les coutumes, nous sommes nés dans les choses du monde. Mais le message, c'est la lumière qui est venue. Cette lumière qui est claire pour nous enlever les ténèbres, enlever les morts sur les cœurs des croyants, enlever les mensonges. Enlever tout ce qui est influence mauvaise du mort. Dieu, avant de se tabernacler à vous, il doit d'abord vous nettoyer. Il doit parler votre âme. Il doit amener l'Église à la perfection. Église, vous les croyez? Église, vous les croyez? Applaudissez-vous le Seigneur Jésus. Le dimanche passé, nous avions parlé de la perfection. Et nous continuons cela aujourd'hui pour terminer. Nous disons que la perfection, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus est un homme sans péché. Il a envoyé un matériau. Parce que c'est lui le tout. Il est parfait. C'est lui le Père. Et la Bible nous dit, nous devons être parfaits comme notre Père céleste l'est. Mais quand le Père est parfait, le Père c'est le Seigneur Jésus, dans la paternité, c'est lui le Père. Et quand il a manifesté le Fils, il dit dans toi, j'en sais, car Dieu a tant aimé les morts, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est croire au Père par le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais le Père n'a qu'il est parfait. Mais celui Jésus, Jésus est le fou, il est parfait. Jésus a fait des formes, une épouse qui doit être parfaite comme lui Jésus. Parce que, quand nous partirons,
c'est l'époux qui sera avec son époux. Il est devenu un. Nous devons commencer à devenir un sur la terre. Comment nous devons devenir? Par la parole de l'air, par ce message. C'est un glorieux message. Il est parfait. Ce message est parfait que William Branham a prêché. C'est pour faire sortir le fou dans les dénominations, faire sortir le fou sur la nuit, dans les morts. Il a fait les rassembler cet époux par ce glorieux message. Le message est parfait, bien-aimé. Le message est interdénominationnel. Le message reçoit tout le monde. Et c'est dans la communion. Vous recevez. Nous sommes dans une école, une grande université de Dieu. Nous sommes là, des aigles. Nous regardons en bas. Nous voyons les dénominations. Bien-aimés, nous avons les dénominations tous. Mais c'est la grâce de Dieu pour nous. Et cette grâce, dans la parole, vient en vous en tant que temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous devez savoir, ce n'est plus vous. Ce n'est plus vous. Il y a quelque chose qui est passé dans votre vie. Il y a une expérience qui est en train de se passer. Écoutez simplement la parole de Dieu. Restez tout simplement à la lumière de ce message. Dieu lui-même, il s'occupera de vous. Dieu prendra soin de vous. Ne vous posez pas de questions. Ne serez pas inquiet quel que soit. Regardez à Dieu celui que vous appelez. J'ai dit toujours, même si vous venez, vous êtes enfant, par papa ou maman. Mais la parole qui entre à vous, ce n'est pas la parole de papa ou de maman. Laisse la même parole jouer à les mêmes influences, même à un petit enfant. C'est des fois, vous appellerez un enfant de prier, vous allez vous demander, l'enfant va fermer les yeux, l'enfant dira quelque chose. Parce que l'enfant vient, il écoute. L'enfant regarde. Quelle est l'attitude que nous avons vis-à-vis de notre Seigneur? Notre Dieu, il est vivant. Quelle est l'attitude? La crainte de Dieu que nous avons. La bonne attitude. Regardant aux promesses du Seigneur. Les promesses de notre temps. Les promesses par lesquelles nous sommes vainqueurs. Qui a fait un effort pour être chrétien? Non, le mérite d'une personne. Non, les efforts singuliers de quelqu'un. C'est Dieu par sa grâce. Dieu, il connaît chaque être humain. Il connaît chaque cœur. Il connaît la vie de chacun. Dieu sait quelles sont les capacités qui sont en vous. Et il va vous visiter pour parfaire la parole que vous aviez écoutée. La parole qui vous a été annoncée, vous la magasinez dans votre âme. Mais c'est Dieu qui fait le travail. Pasteur, moi je prêche. Je répète, Branham, en tant qu'auxiliaire du prophète, je répète la parole de Dieu, bien-aimé. Mais je m'arrête, je prie pour l'Église, je prie pour l'avancement des peuples de Dieu. Mais qui fait le travail? Mais c'est le Seigneur lui-même. C'est Jésus lui-même qui fait le travail. Je vous présente Jésus, épouse. Je vous présente Christ. Branham a présenté Malachie 4. Il est venu présenter. Fait sortir une Église. Une épouse. Les ramener à la foi apostolique. À la foi de nos pères. Cette Église ne sera ni tâche, ni ride. Une Église ne sera pas de compromission avec le monde. Mais une Église dans la sainteté. Mais pas la sainteté du monde. La sainteté du ciel. La sainteté de Dieu lui-même. Parce que le Seigneur, il t'a fait son Église. Jésus est vivant. Oh, mon âme soit bénie. Je le Seigneur. Je crois que si vous aimez le Seigneur. Alléluia. Manifestez l'Église. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Voilà, nous sommes serrés. Quand nous venons dans sa présence, nous savons que c'est lui qui nous parle. Nous disons que le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui est le seul moyen à amener ses influences sur l'individu. Quand le Saint-Esprit vient, ma sœur bien-aimée, princesse, fille de Dieu, vous avez accepté sans contrainte ce message. C'est l'amour de Dieu dans votre cœur. Vous aimez le Seigneur. Mon frère bien-aimé, il y a
manifester Christ. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Dieu a fait de travailler son Église. Dieu, aujourd'hui, est la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le Père. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le Fils. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est la parole révélée dans ces temps de la fin. Alléluia. Alléluia. Dieu nous montre qu'un chemin. Il n'y a qu'un seul chemin par lequel nous devons rencontrer le Seigneur. C'est ce chemin-là sur lequel nous nous tenons pour aller au ciel. C'est ce chemin-là qui est Jésus. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie éternelle. Pendant qu'il est le chemin, il va te tenir par sa main. Il est le conducteur de son Église. Il est le fondateur de son Église. L'Église à laquelle nous appartenons, c'est l'Église de Jésus-Christ. Il envoie tous les dons. Il envoie les manifestations, les miracles. Tout est la parole dans sa totalité. Nous les croyons, c'est la doctrine des messages. S'il y a une doctrine, l'Église croyait, nous avons tout est la parole de Genèse à Apocalypse. C'est cela la Bible, c'est la parole révélée. Voilà les amis pour révéler ce message. Révéler le message, c'est la parole. Dieu lui a donné, quand il était à la 17e personne, il est baptisé dans la rivière Olio, à Jeffersonville. L'ange est descendu une fois audible, parce que les gens qui étaient ce jour-là de baptême, après deux semaines, bien aimé, de l'évangélisation, frère Bernard devait baptiser. Pour ceux qui étaient avec nous dernièrement à Jeffersonville, pendant la fête de cette année, vous avez visité tous ces sites-là, là à la rivière Olio, le fleuve Olio. On a mis des piquets pour que les gens voient que c'est à cet endroit-là que l'ange est descendu, l'ange est descendu du ciel pour parler aux prophètes. Tel que j'ai envoyé Jean-Baptiste avec le premier message, le premier prédicteur, préparer ma première venue. Toi, William Branham, je t'envoie avec ce message pour préparer ma seconde venue. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce message qui est en train de vous préparer. Ce n'est ni par les efforts humains, ce n'est ni par la connaissance livresque de quelqu'un, mais ce sont les connaissances de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parlait à William Branham. De même manière, c'est Dieu du ciel. Il a parlé à Moïse. Il a placé ses paroles dans la bouche de Moïse. Moïse était un grand prophète de Dieu. Il est allé libérer le peuple de Dieu en captivité en Égypte. Il devait servir dans ces temps de la fin. Parmi nous, il a suscité William Branham. Le prophète Daniel, il était entier. Il a vu les paroles de notre âme. Le Seigneur lui a dit, Daniel, c'est ces paroles. Ces paroles doivent être secrètes. Ça ne vous concerne pas Daniel, mais ça concerne les fous. Dans les derniers jours, c'est les fous, c'est vous. C'est vous le tout de Jésus, j'ai le poids de tout mon cœur. Mais bien aimé frère, c'est vous qui êtes l'épouse. Je crois que ces paroles, ce sont maintenant les paroles que Dieu a mis dans les bouches et dans la bouche de William Marie Branham, qui nous servent des tremplins, qui nous servent de la vie éternelle, afin que nous nous préparions. Un jour, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Mais cette église, c'est une église qui est préparée par le Seigneur. Écoutez, il dit ceci. Le Saint-Esprit doit nous influencer sur la perfection et nous montre les chemins du ciel. Il nous prépare comme un seul moyen à la perfection, à la véritable révélation de la parole de Dieu par l'amour que Dieu a disposé dans nos cœurs. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Pour rencontrer le Seigneur Jésus, vous devez d'abord reconnaître qu'est-ce qui est Jésus. Pourquoi Jésus vous aide? C'est lui qui place les paroles. Jésus est en train d'accomplir les promesses authentiques qui étaient au commencement. Au commencement, les chrétiens ont vécu par la vie de la parole. Le message est venu dans ces temps pour nous faire sortir du monde. Nous préparons sur la terre. Il prépare les saints. Il prépare les hommes qui sont en communion avec Dieu. Il prépare les hommes qui s'attendent au ciel, sur la terre.
parce que les promesses de Dieu doivent s'accomplir à travers ces hommes-là, pour refléter le Seigneur Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas un commencement, Jésus n'aura pas une fin, il est l'éternité. Il vient pour nous manifester l'éternité. Et par ce puissant message, Dieu a fait le préparer. Frères, sœurs, quand la perfection, Dieu nous amène à la perfection, dans nos cœurs, nous aura pris la vertu. Regardez à Jésus, regardez aux promesses de Dieu. Dans nos cœurs, il n'y aura plus de mensonges. Dans nos cœurs, il n'y aura plus de péchés. Non. Apprenons à nous fléchir les genoux, à regarder à Jésus, à regarder à quelle vie nous devons manifester Jésus. Quelle est la bonne manière de s'approcher à ce Dieu-là, à s'ingénier, lever vos mains, mettez-vous au Seigneur, viens me parler, j'ai tel problème, veux-tu m'aider? Restez à genoux pendant longtemps, parlez à ce Dieu-là, Dieu est que nous pouvons fléchir nos genoux et que nous lui parlons, quels que soient les problèmes, Dieu nous aide. Rien ne se passera de mal. Il y a des choses que Dieu a réservées à ses enfants. Il a caché cela aux solennités du mort. Il a caché cela aux grandes personnes dans les morts. Il a caché cela aux intellectuels. Mais il a caché cela aux petits enfants. Nous sommes les petits enfants de Dieu. Nous sommes dans les secrets de Dieu. Nous sommes dans l'intimité en contact avec le Seigneur. Nous devons sur les trucs. Alléluia. Et Dieu aura un avec la parole de l'air. Alléluia. Dans la perfection, c'est Dieu lui-même. Il vient pour restaurer sa vie. Amen. Dieu vient restaurer dans votre âme une nouvelle vie. Mon frère, ma sœur, Dieu vient restaurer une nouvelle vie de la Pentecôte à l'ancienne mort. Une vie de réveil. Une vie sans péché. Une vie qui vous pousse à beaucoup chanter, à beaucoup prier, à croire de l'homme mal état, à lire votre Bible, à lire la brochure, à écouter une bande, à écouter quelque chose qui doit entrer dans votre cœur. Un chrétien nourrit Dieu par la parole. Alléluia. Mais si vous ne nourrissez pas votre âme, mais vous deviendrez sain, vous allez sortir. Vous n'aurez pas les paroles. Même si vous êtes en prière, vous n'allez pas dire grand chose à Dieu. Parce que dans votre âme, vous n'avez pas beaucoup de paroles de Dieu. Ayez beaucoup de paroles. Amassez la parole de Dieu. Les enfants, ce que Dieu est en train d'arroser dans vos cœurs, vous allez dans les écoles. C'est pour étudier ce mot bien. Le prophète Branham dit, les enfants vont se rendre à l'école pour les instructions. Mais tu ne t'oublies pas qu'il y a la vie éternelle, la parole de Dieu. Quand vous revenez de l'école, parents, responsables des enfants, répétez le message avec les enfants à la maison. Donnez les conseils. Je crois qu'avec le nombre que nous avons maintenant des enfants, nous allons organiser une école de dimanche pour nos enfants. Nous allons voir avec les frères comment aimer s'aider là-bas derrière. À quel moment les enfants doivent venir pour que les enfants commencent une école. Que nous cherchons un moniteur ou une sœur ou un frère qui va s'occuper de nos enfants. Répétez à nos enfants la parole de Dieu. Peut-être que nous disons certaines choses qui échappent aux enfants. Et bien, quelqu'un sera là pour répéter à nos enfants. Répétez à la maison. Quand les enfants arrivent, priez d'abord pour les enfants. Parce qu'ils reviennent de l'école. Ils reviennent du monde. Quand ils rentrent à la maison, priez. Si le papa n'est pas là, c'est là. Priez. Si la maman n'est pas là, les frères, priez pour les enfants. Ou les grands frères. Ou la grande sœur. Priez pour les enfants. Dites à Dieu, Seigneur, nous avons été à l'école. Nous avons écouté beaucoup de choses. Nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu les morts. Allez, c'est là dans nos cœurs. Donne-nous les paroles qui font la foi. Donne-nous les paroles de la résurrection. Donne-nous les paroles de Dieu au nom de Jésus. Chaque fois, faites cela. C'est une recommandation. Et je vais demander à toutes les familles
pour que les enfants, quand ils reviennent de l'école, que l'image de l'école, oui, la matière reste pour leur instruction. Mais si les mauvaises influences sur nos enfants, nous voulons les chasser. Quand la parole vient, la parole chasse les mauvaises influences. Amen. Le Saint-Esprit, il met l'amour parfait. Parce que le Saint-Esprit, il est parfait. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient restaurer à nous l'amour parfait dans le divinité, qui produit la vie de Dieu, qui produit la vie des fruits de l'arbre. On reconnaît un bon arbre par les bons fruits qu'il donne. Un bon chrétien, on va le reconnaître par les fruits de sa vie. Quel fruit vous êtes en train d'extérioriser? Quel fruit de la vie que vous manifestez? Frères et sœurs, nous avons une vie spéciale. Parce que nous entrons dans la perfection. La perfection, c'est l'amour parfait. C'est Dieu maintenant qui vous a scellé de son sceau. Dieu va placer le sceau divin sur vous. Frères, quand le sceau là, à moins que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, mais vous vous trompez que vous avez le Saint-Esprit, mais ça va se voir. La vie du Saint-Esprit, ce n'est pas la vie d'explication, mais c'est une vie qui se manifeste à l'ennemi. C'est une vie qui est manifestée, extériorisée, la vie dédiée en vous. Vous êtes prêt pour pardonner. Vous êtes disposé pour manifester l'amour, la joie, la longanimité, la patience, la tempérance. Le fruit là doit être étalé dans votre vie. L'humilité. Parce que l'orgueil précède la chute. L'humilité, Dieu t'élève par l'humilité. Christ est humble. Notre référence finale, c'est Jésus. Il était un homme humble, un homme ordinaire, populaire. Quand Jésus marchait avec ses disciples, on ne le connaissait pas. Il fallait qu'on le prenne et donc voilà celui-là. Vous n'allez pas reconnaître Jésus. L'humilité sur la terre, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Jésus nous appelle dans l'humilité. Jésus nous donne ses caractères. Il nous forme. Oh, bien-aimé. Je vais donner l'exemple. Je vais donner l'exemple de ma fille Sarah. Sarah, quand elle grandissait, vous la verrez rentrer pleurer. Sarah, quoi? On l'a tapé. Sarah ne réagit pas. Sarah dit, une fille de Dieu ne se bat pas. Une fille de Dieu ne se dispute pas. Mais Sarah va se fâcher. Mais toi, quand tu t'as tu vas le taper. Oh, maman, tu rentres encore à cela. Ça, c'était en Égypte. Dans pourtant, un pour un, une chrétienne, enfant de Dieu. On va vous taper. On a tapé Jésus. Vous supportez dans votre cœur. Dieu vous donnera les capacités. Vous n'allez pas faire la guerre contre celui qui vous a tapé. Non. Vous n'allez pas injurier celui qui vous a injurié. Non. Frère bien le laisser. Si quelqu'un m'a injurié, ne me dis pas cela. Cela ne sert à rien. On doit m'injurier. On doit parler à mal contre moi, pasteur. On a fait cela au Seigneur Jésus. On fera cela avec vous, frère. On fera cela avec vous, sœur. Si vous acceptez Jésus dans votre vie, vous acceptez les injures, vous acceptez les combats, vous acceptez tout ce qu'on a fait sur le Seigneur. On fera cela sur son Église. Église, vous croyez à cela? Amen. Dieu, il veut que les chrétiens manifestent les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est cela, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'amour parfait, la perfection, c'est un tout. Ensemble, vous parlez de la perfection. C'est un homme adopté. Après la perfection, nous allons parler de l'adoption. Où Dieu a en train de faire le placement des fils dans les corps et des filles. Dieu nous présente en public et il va nous sceller. Dieu nous adopte. C'est fini. Le travail est fini. Dieu vous a adopté. Vous êtes scellés. Le travail, l'œuvre qui est en vous est déjà achevée. Vous attendez seulement le départ.
Alléluia. Parce que vous êtes passé par l'amour parfait, la perfection, le Saint-Esprit est en vous. Dieu va vous adopter. Dieu va vous présenter au monde devant Satan. Alléluia. Dieu va poser une question à son serviteur interne, Job. Job, où étais-tu? Et le Seigneur demande à Satan, où étais-tu, Satan? Et il dit, j'ai été contrôlé la terre. Je suis allé inspecter mon domaine. La terre ici appartient à Satan. La terre sur laquelle nous trouvons, c'est la demeure de Satan. Mais nous sommes un royaume de Dieu dans les camps de Satan. Nous n'appartenons pas à Satan. Bien que nous soyons sur la terre, nous sommes les étrangers sur la terre. Nous sommes des citoyens sur la terre. Nous venons du ciel et nous rentrerons au ciel. Alléluia. Satan dit, j'ai été inspecté la terre. À qui fit mon serviteur? Job, bien-aimé, sois resté. Dieu est terrible. Le Seigneur lui-même pose la question à Satan. Satan fait, oh Satan, tu n'échapperas pas. Il dit, bon, je l'ai vu. J'ai vu ton serviteur, Job. Mais de toutes les façons, il est là parce que tu lui as donné la fortune, tu lui as donné 10 enfants. Il a beaucoup d'élevage, il a beaucoup de ceci, il est bien. Mais si tu retires cela, mais je ne crois plus qu'il va encore t'honorer. Oh, mais tu ne connais pas mon serviteur. Va, retire tout ce qu'il a. Laisse seulement son âme, sa vie, ne touche pas sa vie. Frère bien-aimé, Satan est venu. Satan s'est préparé avec toutes ses armes. Satan s'est préparé avec tout ce qu'il a. Il a amené tout son bataillon contre les gens. Les épreuves vont commencer dans la famille des gens. Les tests, c'est terrible. Vous voulez aller au ciel? Vous devez passer par les tests. Amen. Vous devez passer par les épreuves. Dieu doit tamiser chaque âme. Vous devez passer par les filtres d'un homme qui réfléchit. Dieu doit vous passer contre les murs. Parce que vous devez pousser à bout dans votre vie. Dieu, c'est Dieu qui fait le travail. Mais Job était un homme ayant la crainte de Dieu. Un homme parfait. Frère Bernard dit, Job était un homme parfait. Un homme intègre. Un homme ayant la crainte de Dieu. Il mettait Dieu en première position. D'abord c'est Dieu, les affaires de Dieu, le reste vient après. Est-ce que nous chrétiens nous le faisons? Est-ce que nous plaçons Dieu en première position dans notre vie? Mais nous espérons aller vivre dans le même ciel que Dieu. Vraiment. Ce n'est pas facile. Nous devons chercher davantage la face du Seigneur. Nous devons aller dans la profondeur de la parole de Dieu. En fait, que nous rencontrions individuellement le Seigneur Jésus. Sans cela, oh, ce serait regrettable. Nous ne voulons pas, après avoir passé des années, dans ces messages, quand le temps viendra et que nous soyons restés. Frères, sœurs, faisons un effort afin que nous ne puissions pas manquer l'enlèvement. Frère Branham dit, quand il était de l'autre côté, il avait vu des millions et des millions. Il avait vu des chefs et des chefs, des gens à partir de l'âge de 18 à 20 ans. Et il a demandé tout ça, ce sont des gens de Barabbas ou les gens de la famille de Barabbas. On lui dira non, ce sont des convertis à Christ. Nous sommes parmi ces gens-là que Branham nous a convertis par son message. Il ne nous a pas convertis pour être les gens de Branham, mais il nous a amenés à Christ. Branham nous amène à Christ pour nous préparer. Quand ce jour-là sera là, quand nous serons à la fin de la course, un jour, de l'autre côté du rideau du temps, ou de la rideau du temps, quand nous arriverons, nous verrons la gloire de Shekinah. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu nous appelle à la perfection par cette parole. Quand l'amour divin est rempli dans nos cœurs,
qu'est-ce qui reste à toi? C'est la perfection. Qu'est-ce qui reste à toi? La perfection, c'est maintenant dit, la pomme d'hiver, il parle de la pomme d'hiver, la pomme parfaite, c'est la pomme d'hiver, c'est la gapao, il parle de ces trois thèmes, dans la même chose, il dit c'est la perfection. L'église qui est passée par l'amour parfait, l'amour d'hiver, là, la gapao, cette église qui vient doucement à la perfection. Donc, l'amour parfait, c'est la perfection. La perfection, c'est cette église, c'est cette personne qui sera présentée dans l'adoption pour être un fils et une fille de Dieu. Dieu va les placer, Dieu va les présenter devant Satan, comme Dieu a présenté Jean. Dieu va les présenter, tu seras un travail fini, un produit fini, rempli du Saint-Esprit qui attend le départ. Et tu seras dans les corps de Christ pour faire le travail de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Job n'a pas regardé ses enfants, les 10 enfants. Les 10 enfants sont morts. Toutes les sortes de produits de sa fortune, décimés, les maisons calcinées. Son épouse vient là. Mon mari, je sais que tu es un homme de Dieu. Je sais que tu entres dans l'onction. Mais avec ça, jusqu'avant la lèvre, toi tu sers le Seigneur, où tu as commis un péché. Les amis des gens sont venus vers lui. Job, tu es notre ami. Dis-nous les fils que ce que tu as fait. Si tu as commis un péché en cachette, nous allons prier pour vous dire de nous. Oh bien-aimé, il dit, je vous dis, j'ai inventorié ma vie. Je n'ai pas pris un endroit à un moment donné que je suis allé dans le péché. Je vous dirai pour que vous priez pour moi, que Dieu me pardonne. Je ne l'ai pas fait. J'ai regardé dans le miroir de Dieu. Dans sa parole, je n'ai pas failli quelque part. Mais je vois, c'est une épreuve. C'est une vraie test. Dieu a permis que les tests arrivent. Quand les tests viennent, c'est pour que Dieu vous donne les caractères. Amen. Dieu vous donne une expérience pour vous amener dans la perfection. Amen. Vous devez vous approcher du Seigneur. C'est pour avoir la perfection, Église. Église, la perfection. Dieu vous amènera dans la perfection. Et cette fois, Dieu doit vous briser. Vous devez devenir agréable à Dieu. Dieu doit vous tamiser. Dieu doit parfaire votre vie. Par des épreuves, par des tests, par des difficultés des fois, par des moments aussi difficiles. C'est ça aussi la foi que Dieu a prouvé. Dieu a prouvé cette foi pour vous faire sortir de votre statut de faiblesse et vous amener dans la perfection. Être comme Jésus. Jésus est parfait. Vous devez être parfait comme Jésus. Vous devez chanter comme Jésus, prier comme Jésus, marcher comme Jésus, vivre comme Jésus. C'est cela la perfection. Alléluia. Amen. L'homme qui s'approche à Dieu, regarde aux promesses de Dieu qui s'accomplissent à vous. Vous n'allez pas regarder aux circonstances. Vous n'allez pas regarder aux conditions. Vous n'allez pas regarder à vos projets. Regardez d'abord à ce Dieu que vous servez. Regardez d'abord à celui qui est vivant. Donnez-lui la première place. Amen. Le reste, il vous l'accordera. N'est-ce pas la Bible dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice. Le reste, Dieu vous l'accordera. Amen. Cherchez d'abord le Seigneur. La profondeur après la profondeur. Entrez dans la profondeur du message. Vous trouverez Dieu qui est la profondeur. Il répondra à vous. Vous deviendrez un. Alléluia. Dans cet âge, il y a des promesses de l'âge. Dans la Odyssée, frère Branham, il est venu avec une somme de promesses. Parce que frère Branham est le programme de Dieu sur la terre, dans l'âge de la Odyssée. Alléluia. Amen. Mais c'est Branham qui est la parole. La parole de l'âge. C'est Branham qui représente Jésus. C'est Branham qui a l'esprit, le Seigneur. C'est Branham qui a l'illusion. C'est Branham qui montait dans les hôtels pour recevoir de Dieu la parole. C'est cette parole qui proclame dans l'église. Amen. Nous nous en tenons plus.
Nous appartenons plus. Nous appartenons à cette glorieuse parole, cette merveilleuse parole qui est le message du temps de la fin. Alléluia. L'individu est prédestiné dans l'élection de Dieu avant la fondation du monde. Frère, écoutez, Dieu nous a prédestinés à écouter les messages. Amen. Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde à recevoir les messages. Exact. À vivre les messages. À garder les messages dans nos cœurs. Afin que Dieu puisse se manifester totalement dans l'église. La plénitude n'est plus au ciel. La plénitude est dans l'église, le corps de Jésus. Frère, vous voulez laisser moi quelle plénitude d'accord. Mais la plénitude, c'est toute la parole qui est entre nos mains. C'est toute la parole qui a déversé dans vos cœurs. Parce que tout ce qui était dans le Père, dans l'Ancien Testament, le Père a déversé en Christ. Christ a déversé dans l'Église. Il n'est pas pour partir avec ça. C'est comme ça que Christ nous dit qu'il ne nous a pas laissé orphelins. Le monde ne le fera pas, mais nous le ferons. Il sera en nous, avec nous, jusqu'à l'éternité. Alléluia. Élevez le Seigneur Jésus. Élevez le Seigneur Jésus. Amen. Applaudissez-vous le Seigneur Jésus. Amen. Cet homme individu dans lequel le Saint-Esprit de Dieu s'est tabernaclé, c'est un individu différent. Ce n'est plus un individu du mort. C'est un individu changé, un individu transformé, baptisé du Saint-Esprit, parce qu'il a été justifié par la foi. Il a été sanctifié par le sang de Jésus. Et Jésus a envoyé les réserves pentecôtistes pour remplir l'individu. L'individu vit maintenant les promesses. Il attend son départ. Il partira. Parce qu'il y a un départ secret. Et soudain, l'église partira l'enlèvement. Alléluia. Personne ne va retenir l'église de Jésus. C'est une église parfaite. Une église qui remonte à la perfection. C'est Dieu qui fait le travail dans cette perfection. Frère, ne vous lamentez pas. Ne vous faites pas de soucis. Dieu a promis qu'il amènera les chrétiens à la perfection. Ces chrétiens, c'est nous qui sommes dans ce temps de la fin. C'est nous qui croyons. Parce que Dieu nous en a pris cet esprit. Et Dieu nous amène à la perfection. Alléluia. Amen. Dieu doit être perfectionné jusqu'à l'ostatue parfait des normes. Nous avons dit cela. Que dans la perfection, Dieu fait un individu. Voilà cet individu. Cet individu, c'est la pyramide ici. Cette pyramide représente l'homme. Et cet homme qui croit le message du temps de la fin, cet homme qui est rempli de la puissance de Dieu, comment il va être? Il va avoir la foi, les fondements, la fondation. Quand vous croyez en Dieu, la parole vous donne la foi. La foi ne fait que croître. Toi qui descends, Jésus croit dans votre cœur. Jésus est en train de grandir en vous. Alléluia. Après la foi, il y a la vertu. Et après la vertu, la foi d'abord, c'est Paul, c'est lui qu'on a été envoyé comme réformateur. L'apôtre de Dieu, c'est le nom parmi les douze apôtres. Il n'était pas parmi les douze apôtres, mais c'est par la volonté du Seigneur que Dieu a appelé l'apôtre Paul pour le rencontrer là sur les chemins de Damas. Mais il était un persécuteur de l'église. Dieu a dit, j'ai fait de toi un péché d'or. Il a transformé Paul. Et c'est Paul avec la foi. Quand vous écoutez la parole de Dieu, écoutez, Dieu va commencer à susciter la foi dans votre cœur. Et cette foi, Dieu ajoute la vertu avec Irénée. Après cette foi, vous avez la connaissance. La connaissance augmentera. Dans Daniel 12, lisez simplement l'évangile de Jésus-Christ. Lisez les brochures, lisez votre Bible, ingéniez-vous. La connaissance va augmenter. Dieu va placer ses paroles en vous. Vous allez répéter la Bible, vous allez répéter les messages sans faire un effort. Vous n'allez rien bloquer, mais c'est la vie de Jésus en vous qui est en train de croître. Après la connaissance, la tempérance, ce sont parmi les fruits de l'esprit qui doivent être en vous. La tempérance, la patience. On vous tapine par les pieds. Vous êtes là. On vous a étudié. On vous jette de l'eau. C'est comme, j'ai dit là, j'étais au flot quand j'ai travaillé. Il y a une dame, une espagnole, était à mes côtés. Une autre espagnole,
a pris les forces, les tuyaux pour laver ses pieds. Et l'eau s'est éclaboussée sur l'autre dame. Cette dame n'a pas pardonné. Cette dame est allée monter au bureau pour accuser l'autre femme qui travaille à ses côtés. Voyez, la patience, il y a des choses qui peuvent arriver sur vous. Les choses cruelles que Dieu a permis. Dieu a permis. Dieu a permis qu'on vous injure. Dieu a permis qu'on dise certaines choses sales. Mais c'est à ce moment-là qu'on pourra voir que vous avez la patience. La patience, la vertu. Et ici, c'est l'amour, frère. La vertu. Et ici, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel qui est chapeauté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'amour parfait. Le Saint-Esprit, c'est l'amour agapao. La tête est poissée par Christ, l'ange, c'est l'amour. Donc Dieu est l'amour. Cet amour, c'est Christ. Christ, c'est l'amour parfait. L'amour parfait, c'est la perfection. Donc, lorsque Dieu a été déformé, il va prendre la forme pyramidale de cet homme-là, que Dieu va mettre tout cela dans le cœur de quelqu'un pour arriver là-bas au sommet, avoir l'amour de Dieu. Le message vital de la fin est venu pour parfaire la vie des croyants avant l'enlèvement. Parce que Dieu doit restaurer le fruit de l'esprit dans chaque être. Il doit restaurer cela dans chaque personne. Et quand Dieu restaure cette vie, vous devenez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous devenez une nouveauté. Mais vous devez d'abord commencer à être né de nouveau. Daniel, en Israël, était un grand auteur, un érudit. Mais Daniel, quand il a eu la révélation de la nouvelle naissance, Daniel est allé à lui, frapper à la porte de Jésus. Il ne voulait pas aller les jours. Parce qu'il s'est la vie. Il voulait tout simplement aller raconter Jésus la vie. Que dois-je faire pour être né de nouveau? Que vous soyez docteur, que vous soyez n'importe qui, vous devez commencer par la nouvelle naissance. Vous devez mourir en vous-même. Vous devez mourir au péché, au mensonge, à la mauvaise esprit, au mauvais influence, mais gardez dans la sainteté la parole de Dieu. La parole de Dieu vient restaurer la puissance de Dieu pour enlever les mal en vous, enlever les péchés sur votre cœur, enlever sur votre âme les morts de l'incrédulité. Vous devenez une nouvelle image de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le message nous remplit de l'amour parfait. Le message de la perfection et nous montre comment Dieu conduit son Église dans ces temps de la fin. Dieu a en train de sortir l'épouse, l'amener à la perfection. Parce que cette épouse sera la femme élue de Jésus. Jésus a aimé une femme. Cette femme s'appelle l'Église épouse parole. C'est cette Église qui est la femme de Jésus. Et Jésus est tenu à amener cette Église à la perfection. Amen. Alléluia. Dans Romains 8, 28, il est écrit ceci concernant cela. Je vais lire vite. Dans Romains 8, 28, il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon les destinées, selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Jésus est notre grand frère. Il est l'aîné de la famille de Dieu. Alléluia.
Soulignez cela dans votre Bible, mes frères bien-aimés sœurs. Ce sont les passages importants pour les chrétiens. Alléluia. Et ce qui a prédestiné, il les a aussi appelés. Amen. Et ce qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Et ce qui a justifié, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Questionnons-nous à l'égard de ces choses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son premier fils, qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia! Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alléluia. Ce sera la perfection. Ce sera la perfection de Dieu pour nous. Église. Le message du temps de la paix restaure la puissance de Dieu dans nos cœurs. Vous avez la puissance avec vous. Vous avez le pouvoir de chasser les démons. Satan et tous ces démons. Vous imposerez les mains sur les malades. Vous chasserez les démons, même si vous êtes malade. Continuez à croire que Dieu vous a déjà guéri. Parce que la promesse de Dieu ne disparaîtra jamais. Par cette blessure, nous avons été guéris. Dieu n'est pas un homme comme nous. Dieu nous amène à la perfection, à être semblable comme lui. Parce qu'il a fait la perfection. Il est très saint dans la perfection, dans l'amour parfait. Dieu avec son Église. Dans la perfection. Alléluia. Quand vous croyez au Seigneur Jésus, vous ne vous appartenez plus. Vous devez suivre le chemin de Jésus. Amen. De tes prières viendront pour vous perfectionner. De tes, chaque prière qui vient nous amène à la perfection. Alléluia. C'est pendant la perfection que Dieu ne fait plus de rien. Quand vous êtes malade, peut-être vous avez vu les médecins, on vous a prescrit les médicaments, il n'y a pas un changement. Mais je crois que vous êtes dans un état de faiblesse. Qu'est-ce que vous faites? Priez sans cesse, priez sans relâche, priez tout le temps. Quand Dieu permet un temps pour vous, restez dans la prière. Priez, appelez Dieu à cesse. Appelez Dieu, parce que vous devez suivre Dieu par sa présence. Dieu vous guérira. Il peut vous guérir promptement. Il peut vous guérir dans la minute qui suit. Il peut vous guérir un jour, 10 jours après, une semaine, un mois ou une année. Cela dépendra de sa volonté. Amen. Pourquoi Dieu a permis que vous soyez malade? Pour que vous reconnaissiez qu'il y a un Dieu qui est guérisseur. Amen. Qu'il y a un Dieu qui est le docteur Jésus. Amen. Qui guérit encore aujourd'hui. Qui restaure la bonne vie. Père, vous savez, l'amour qui était dans les chrétiens, à un certain moment, cet amour était dévoré par les sectes. Cet insecte était la sauterelle. La sauterelle, la cible, il a pris un autre nom. La cible, la sauterelle, les Gaza, ils changent de nom, ils brisent l'amour parmi les fers, ils déforment la serre de l'arbre, l'arbre va sécher, ne produit même plus de fleurs. Il n'y a plus la serre, parce qu'il n'y a plus la vie dans l'arbre, l'arbre va devenir sec. Si vous ne manifestez plus l'amour de Dieu, vous allez manifester quoi? Vous allez manifester Satan. Je vous exhorte à revenir à la parole de Dieu. Prenez les bons côtés. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Il y a la vie qui doit couler. Il y a la grâce quand vous vivez les messages. Lisez la Bible. Priez en famille. Priez dans la communion. Faites la communion avec vos frères et vos sœurs. Alléluia. Peut-être cela nous concerne tous. La vie de la communion concerne chaque frère et chaque sœur. Appelez votre frère, allez vers lui. Appelez votre sœur, allez le visiter. Visitez la sœur. Vous allez prier. Vous allez parler quelque chose qui va édifier encore votre expérience. Parce que le corps doit être édifié, amené à la perfection. Quel est ce corps? C'est Christ. Nous ne devons pas rendre
prendre le corps de Christ toujours malade par nos péchés, par nos indifférences, par certaines choses, les mauvaises influences à Christ et le Saint-Esprit de Dieu. Mais nous devons être comme Job. Job n'a pas regardé au conseil des amis, n'a pas regardé à ce que Dieu a pris à lui. Job a regardé aux promesses de Dieu qui les concernaient. Job, vous l'avez dit, Job était un homme parfait, un homme qui était dans la perfection, un homme intègre, un homme qui avait la crainte de Dieu. Frères et sœurs, vous avez la crainte de Dieu dans la perfection. Dieu va vous placer. C'est là que vous connaîtrez que vous devez donner votre dîme à l'église, vous devez donner l'offrande, vous devez donner quelque chose pour soutenir l'être de Dieu. Payez par exemple ces bâtiments, donnez quelque chose parce que vous vivez, vous travaillez, mais vous faites vos efforts. Mais quand est-ce que vous ne voulez pas donner à Dieu? Regardez à la parole de Dieu. C'est Dieu, un enfant de Dieu, c'est une personne obéissante à la parole de Dieu. Quand vous êtes obéissant à la parole de Dieu, accomplissez la parole de Dieu avec vous. Vous n'allez pas regarder qu'on vous dit qu'il faut payer la dîme, qu'on vous dit qu'il faut payer l'offrande. Non, mais vous êtes chrétien, vous lisez la parole de Dieu. À cet endroit-là, au fond des dîmes et des offrandes, vous sautez. Pourquoi vous devez sauter cela? C'est une partie de la parole de Dieu. Accomplissez cela. Exactement. Qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Vous voulez aller au ciel. C'est cela. Vous aurez encore beaucoup de bénédictions. Nous prêcherons un jour sur la dîme. Si c'est que nous sommes en train de voler sur le Seigneur. Mais sachez-le que Dieu vous aime. L'amour de Dieu, c'est l'amour parfait. Mais accéder à cet amour parfait, vous devez accomplir les étapes que Dieu donne à travers ses paroles. Alléluia. Amen. Dieu ne vient plus rien. Vous devez toucher Dieu là. Vous le voyez à votre côté. Vous savez qu'il est là. Quand vous avez l'onction de Dieu, vous savez que Dieu est là. Quand vous avez quelque chose, arrangez. Arrangez-le le plus tôt possible. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir quelque chose pendant très longtemps avec lui. Ça va bloquer votre marche. Allez vers la personne arrangée. Avant d'arranger avec le Seigneur, appelez votre frère, arrangez la chose avec votre femme, avec votre enfant, avec les frères bien-aimés. Arrangez pour revenir. Ramenez la communion, ramenez la paix. Nous ne prêchons pas la division. Nous prêchons Jésus. Jésus est vivant. L'unité de l'Église avec la parole de Dieu. Que nous devenons un avec les deux états. C'est ça le Saint-Esprit. Avancez. C'est cela le Seigneur. Quand Dieu parle, nous tremblons. Quand Dieu parle, que nous sommes à côté, Dieu nous fait devenir sur les trois chemins. Dieu fait devenir ses enfants. Alléluia. Ah. Dieu fait devenir une expérience. Dieu nous pousse à avoir une autre expérience au travers de la perfection. Dieu s'accomplit ses promesses sur vous. Quand nous regardons en lui, nous ne tenons pas compte. Oh, que depuis que j'ai commencé à prendre ces médicaments, je ne suis pas guéri. Tu regardes aux circonstances. Tu regardes à tes conditions. Depuis ceci, je vais faire ça, ne marche pas. Tournez votre dos au monde, à ce que tu vois. Regardez l'invisible. Il est présent. Il est visible. Il vous donnera encore une expérience. Un témoignage viendra. Parce qu'il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas des noms. Il s'agit de Dieu vivant. Il vous donnera encore des témoignages. Alléluia. Dieu lui-même donnait l'exemple à son serviteur. Dieu nous a donné une parole de la révélation que Job avait. Job craignait Dieu. Sa femme lui a dit de maudire les dieux qu'il servait. Des fois, les sœurs ont une foi faible. Des fois, quand le problème devient la plus haut et elle commence à trébucher et à perdre même la foi. Mais vous devez garder votre foi solide. La femme de Dieu dit, maudit ce Dieu-là. Des lèvres comme ça, tu deviens sale. Quelle est cette maladie? Quel est ce péché que tu as commis? Et que tu es la lèvre. Dieu m'a donné le serviteur de Dieu. Les gens ont spéculé. Les gens ont parlé. Les gens ont dit beaucoup de choses sur Dieu. Et sa femme lui dira, maudit ce Dieu-là. Et il va te prendre, tu vas mourir. Je regarde sa femme. Il dit, tu as oublié au nom de Dieu du Seigneur ce qu'il a fait. Tu es une femme insensée. Tu n'as pas la foi. La
sur les promesses de Dieu qui sont visibles et invisibles. La foi, c'est l'assurance de croire aux choses qu'on espère. Amen. Mais vous ne voyez pas ces choses, mais vous croyez par votre foi. Vous croyez parce que vous avez dit avec vous, je vais voir les dieux dans la chair humaine. C'est comme Julien qui demande à sa maman, maman, je voudrais avoir un dieu dans la chair humaine. Mais un dieu dans la chair humaine, mais c'est vous. C'est vous la parole manifestée. C'est vous la parole faite de chair. Dieu dans la perfection, dans l'être humain. C'est vous qui êtes Dieu. Vous rassurez à vos enfants, vous priez, maman prie pour moi, maman prie pour moi, j'ai peur. Vous devez chasser la peur par l'amour parfait. L'amour chasse la peur. L'amour couvre la multitude des péchés. Ah. C'est l'amour parfait qui est à vous. Vous n'avez plus tremblé, vous n'avez plus la peur. Vous avez Jésus, vous avez le Saint-Esprit avec vous. Alléluia. Amen. Et c'est dans le Fils de Dieu. Va manifester mon témoignage conformément à la parole de Dieu. Quel est le témoignage que vous avez parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit? Est-ce que dans votre cœur vous avez la crainte de Dieu? Est-ce que vous vivez normalement comme un chrétien rempli du Saint-Esprit? Au pire, vous êtes un chrétien en voie d'être rempli du Saint-Esprit. Dieu vous l'accordera. Demandez cela à Dieu. Nous sommes parents. Quand mon enfant démarre un pain, je lui donne un pain. Si je n'en ai pas, je vous amènerai un pain le soir ou demain. Mais Dieu, tu es plus que un parent. Mais quelle est la chose de vous demander à Dieu? Et Dieu va vous l'accorder. Dieu vous l'accordera selon votre désir. Parce que c'est Dieu vivant. Nous servons un Dieu qui est vivant. Nous servons un Dieu qui est réel. Un Dieu que nous touchons. Un Dieu qui a pris place dans notre âme. Un Dieu qui répond à toutes les questions. Quel est ce problème? Vous voulez le mariage? Dieu est là, il vous aidera. Il vous donnera. Mais cherchez d'abord la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu. Pressez cela dans votre âme. Pressez la parole dans votre cœur. Vivez les messages. Vivez la parole de Dieu. Dieu se manifestera dans votre vie. Alléluia. Amen. Détournez-vous de tout mal. Ayez la crainte de Dieu. Dieu vous bénira totalement. C'est cela la perfection. Bien-aimé, frères et sœurs. Dieu est parfait. Son message aussi est parfait. Et son épouse qui est appelée, cette épouse sera parfaite aussi. Parce que le message qui est en train de préparer l'épouse, il est parfait. Et le message est parfait, va susciter une épouse parfaite qui sera à côté de Jésus parfait. Amen. 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 Ce sera la perfection. Dieu, il donne l'exemple d'Abraham. Abraham, c'était un serviteur de Dieu. Abraham, il dit, des générations, des générations. Les descendants d'Abraham seront une multitude comme les étoiles. On ne saura même pas les compter. Comme les sables de la terre. Ils seront très nombreux. Abraham, c'est un homme par l'élection de Dieu. C'est lui notre. Dieu présente Abraham un homme de type par la foi. Il prend Abraham. C'est par l'élection du Seigneur. Dieu nous a appelés par son élection. Dieu nous a élus. Il n'a demandé conseil à personne. Amen. Dieu n'a consulté personne pour que vous soyez chrétien aujourd'hui. Pour que vous soyez dans la perfection. Pour que l'Église est appelée à sortir et vivre dans la perfection. Dieu n'a pas regardé aux faiblesses de l'Église. Dieu n'a pas regardé à nos faiblesses. Dieu n'a pas regardé nos plis, à notre condition. Dieu regarde à ses paroles. Parce que Abraham, c'est l'élection de Dieu. Isaac, qui procure l'enfant d'Abraham, c'est la grâce. Et c'est plutôt c'est la justification. Abraham qui est l'élection de Dieu pour manifester sur la terre notre Père dans la foi. Abraham engendra Isaac, qui est son fils naturel. Mais dans la lignée d'Abraham,
l'enfant de la promesse, c'est Jésus-Christ. Mais naturel physique, c'est Isaac. Isaac qui est la justification. Après Isaac engendra Jacob. Jacob qui est la sanctification, la grâce. Et c'est par Jacob que Dieu présente. Il était l'Israël, un homme menteur, un homme dans les mensonges. Mais Dieu, par sa grâce, il a aimé Jacob, il a aimé Esaü. Dieu regarde à sa parole. Et ce Dieu-là, il présente Joseph, qui est un type de perception. Alléluia. Amen. Joseph, c'était un prophète. Il interprétait les sons. Il était arrêté, fendu à 30 pièces, comme Jésus va lui passer faire. Et c'est par le marchand, on va l'amener déporté en Égypte. Et en Égypte, on va les canonnier. Parce qu'on a trouvé un homme de son, un homme important, dans la famille de Potiphar. La femme de Potiphar était une femme père. C'est l'esprit de Jézabel. Frère Valenti, l'esprit de Jézabel était même dans la femme de Potiphar. Il va dire les mensonges sur les serviteurs de Dieu, Joseph. Et Joseph sera arrêté. Joseph, on va le mettre en prison. Frère, on portera sur votre nom les mensonges. On vous accusera de fausseté. Quelle sera votre réaction? Comment vous allez réagir? Un chrétien n'est pas un homme pour justifier les choses. Oh non, ce n'était pas moi. Moi, j'ai dit, j'ai fait ça. Non, votre droit de l'air, vous l'avez perdu par Jésus. Regardez au Seigneur Jésus. Un chrétien n'a pas les droits. Ne faites pas la défense de vos droits. Non, nous devons nous retrouver pour nous justifier, pour parler. Non, ça c'est pour le monde. Nous sommes morts aux choses du monde. Dieu nous a ressuscités par Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu est en nous parce que nous sommes vivants. Dieu a enlevé les mensonges. Dieu a fait des parfaits à notre âme. Dieu place la perfection. Et Joseph est le type de la perfection. Joseph, c'est le modèle de Jésus-Christ parfait sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Lisons le prophète quelque chose. Le prophète Branham, il parle de la perfection. Les dimanches passés, nous avons lu dans certaines prédications. C'est comme ici la prédication. Dieu amène son église à la perfection de William Branham. Prêché le 4 décembre 1954 à Jeffersonville, paragraphe 8. Ainsi, nous rendons gloire à Dieu ce soir de savoir que le Saint-Esprit est en nous. Hier soir, j'ai donné un enseignement sur la perfection. Dieu rendra son Église parfaite, amena l'Église à la perfection par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ainsi que nous qui sommes morts en Christ, qui avons revêtu la semence d'Abraham, nous sommes héritiers selon la promesse. Et nous sommes amenés à la perfection. Non pas par nous-mêmes, alléluia, non pas par notre propre sainteté, mais par le Seigneur Jésus, par la sainteté du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quelqu'un s'est adressé à moi, il n'y a pas longtemps, disant, frère Branham, croyez-vous dans la sainteté? J'ai dit oui, messieurs. Sans la sainteté, personne ne peut voir Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit, mais pas ma sainteté, parce que je n'en ai pas. Je crois à sa sainte sainteté. Donc je crois à la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu qui est dans l'église. Voyez, quelque chose qu'il a fait, c'est là-dessus que je repose mon espoir. Non sur mes propres mérites, je n'en ai point. Je m'appuie sur les mérites de Dieu. Et il y a cette assurance que comme il m'aime, je l'aime. Et le tout de Dieu est une affaire d'amour. Voyez, c'est un point. Alléluia.
dans les chefs d'œuvre, prêché à Dieu qui a sorti les 5 septembre 1964 au Grand Tabernacle, il dit ceci, paragraphe 147. Remarquez, Paragraphe 39. Il y a aussi
n'ouvre pas de la grâce pour la perfection de l'Église, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Cela consiste à la nouvelle naissance. Écoutez bien, juste le type de la naissance naturelle. Lorsqu'une femme donne naissance à un enfant, la première chose qui vient, c'est l'eau. Ensuite, c'est le sang. Et puis la fille. La Bible, dans la version anglaise, dit dans 1 Jean 5,7 ou 7,7, je crois. Il y en a trois qui rendent des témoignages dans les cieux. Amen. Le Père, le Fils qui est la parole et le Saint-Esprit. Ces trois sont un. Il y aura trois qui rendent témoignage sur la terre. La parole, l'eau, le sang et l'esprit. L'eau, le sang et l'esprit. Ces trois s'accordent à un. Amen. Alléluia. Or le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Mais vous pouvez le justifier sans être sanctifié. Amen. Et vous pouvez être sanctifié sans être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons prouvé que c'était dans l'ordre de la nature. Alléluia. Amen. Dans les âmes qui sont maintenant en prison, prêchez les 10 novembre 1963 au Grand Tabernacle, dimanche, paragraphe 269. Nous lisons 269 et 270. Le ministère de Jésus a consisté à trois poules. Les savez-vous? Remarquez et soyons sincères. Si vous ne l'avez jamais été de votre vie, c'est le moment de l'être maintenant pendant une minute, pendant quelques minutes. Son premier poule était la guérison des malades. Il est devenu un homme très populaire. Tout le monde croyait en lui, semble-t-il. Pas fait. Quand il est parti guérir les malades, tout le monde le foulait dans son église. Frère Bernard Dieu lui a donné la guérison divine. C'est un appât pour attirer les gens à la parole de Dieu. Amen. Et quand il guérit, ce n'est pas lui qui guérit, il prononce les paroles de guérison, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Ces gens-là suivent les dieux et bras. Je donne l'exemple de Révérend Barouti, qui a les dons de guérison. Et c'est un appât. Il est rendu populaire par ces dons-là. Ce n'est pas un don pour lui, mais un don que Dieu a donné pour l'Église. Quand il prêche, il prie pour les malades sont guéris, et les autres personnes viennent à l'Église, ils viennent au message à cause de la guérison qu'ils ont reçue de ces dons-là. Dieu peut vous donner un don, et si vous avez un don comme ici, je peux prier pour quelqu'un, je peux prier, mais c'est la guérison de Dieu. La guérison divine se manifeste, la personne viendra à l'Église pour rencontrer ce Dieu-là. C'est là qu'elle n'a pas. Et c'est le premier poule de Jésus. Il avait aussi la guérison. Jésus guérissait les malades. Les gens suivaient Jésus. Jésus était devenu populaire. À cause de la guérison qui était en Jésus, le don que Dieu a placé à Jésus sur la guérison divine pour attirer les gens à la parole de Dieu, attirer les gens à la parole du Seigneur. Oh, c'est merveilleux. Une église qui va à la perfection. C'est cette église qui croit toutes les paroles de Dieu. Cette église qui est la fin. Parce que le Seigneur Jésus a fait cela. Lisons le dernier paragraphe. Nous disons, dans Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 1964. Il dit ceci. Maintenant, paragraphe 320, Dieu dévoilé. Et d'abord, 318. Maintenant, pour parvenir à la perfection, après que la tige soit formée, après que les graines soient formées, après que les graines soient formées sur les pieds, il doit ensuite parvenir à la perfection, former un nouveau grain normal. Et souvenez-vous, les graines doivent être
de féconder, voyez. Sinon, il ne vivra pas, voyez. Tout ce qui ne faisait pas partie de ce message ne viendra jamais à vie. Amen. Il faut qu'il y ait fécondation pour pouvoir réagir à cela. Mais souvenez-vous, cette même fille qui était dans la digue et dans la déguerre, elle est simplement en train de parvenir à nouveau à maturité. Voyez-vous, il s'est révélé comme quoi, fils de l'homme, les grains qui avaient été mis à terre. Vous saisissez le message, vous saisissez l'église. Les grains lui ont dit, nous voudrions voir Jésus. Il a dit, si les grains de maïs ne tombent à terre, voyez très bien. Et 320. Maintenant, comme quoi s'est-il révélé à Fit? Sous une forme différente, la tige, les graines, ainsi de suite, tout est fait et tout. Ensuite, il s'est révélé comme quoi les mêmes esprits, mais sous une forme différente. Voyez, mais quel est le dernier stade de ce maïs? Il reprend la forme du grain originel. Parfait, Église. Amen. Souvenez-vous, Michel Ange, tout ce qu'il a pu faire, c'est de s'écrier, de frapper la statue et dire, parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. La perfection, c'est l'être humain qui, dans la parole de Dieu, va arriver à un stade qui n'appartient qu'au Seigneur Jésus. Amen. La perfection, oh bien-aimé, il dit ceci, dans nos statuts parfaits des noms. Et maintenant, nous plaçons le sang de Jésus à l'intérieur, voyez-vous. Et cela amène la foi de Jésus-Christ dans la personne humaine, en tant que tabernacle. Dieu mettra la vertu de Jésus-Christ en vous, la connaissance de Jésus-Christ en vous, la tempérance de Jésus-Christ en vous, la patience de Jésus-Christ en vous, la piété de Jésus-Christ, l'affection fraternelle de Jésus-Christ, ou l'amour fraternel et l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ, l'amour parfait, l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ, il est la tête qui vous contrôle et vos pieds sont les fondements de la foi. C'est cela que Jésus a donné. Frères, sœurs, aujourd'hui, je crois que c'est la deuxième partie. Nous terminons par là, disant ceci. Que le Seigneur Jésus, qui est la perfection dans son Église, il voudrait que chaque personne vienne amener la personne à la perfection. Jésus a fait d'amener l'Église à la perfection. Nous avons expliqué clairement, et nous avons vu les prophètes de Dieu, les révérends William Branham sur certaines prédications qu'il a données sur la perfection. La perfection, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur Jésus, parce qu'il veille l'épouse, cette épouse vienne à la perfection. L'épouse qui a fait de former avec ses glorieux messages, c'est cette épouse qui est son Église. L'Église doit sortir, il doit la mener à la perfection. C'est cette Église qui est attendue à la perfection. La perfection, c'est vous, mon frère. La perfection entraînera vous, ma sœur. La perfection sera toute l'Église épouse et parole dans ces temps de la fin. Parce que la perfection envoie la lumière. Les ténèbres vont disparaître. L'obscurité va s'enfuir. Nous serons dans la lumière de notre temps. Le message prêché par les révérends Branham, qui est le prophète du temps de la fin. Ce message est accompagné de la puissance. Ce message, avec la démonstration de l'Esprit, avec la puissance de la résurrection, la vie de la sainteté doit habiter parmi tous les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Oh, que cette félicitation entrera les frères de la parole de Dieu, afin que Jésus active la parole de Dieu. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Oh, c'était vraiment merveilleux. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Indication. Vous avez écouté les sermons sur la perfection, deuxième partie. Église,
l'église doit grandir. Une église qui doit passer par les réveils et la Pentecôte à l'ancien monde. Chaque personne devient des réveils. Chaque personne devient un instrument de Dieu dans lequel il est rempli du Saint-Esprit. Chaque personne doit être en contact avec ce Dieu qu'il a appelé. Chaque personne devient la manifestation de Saint-Esprit. Chaque personne devient une personne différente qui vit pour le Seigneur, se préparant pour le ciel, non à vivre sur la terre. Gardez le message honorable. Vivez l'évangile de la sainteté. Vivez l'évangile qui est venu du ciel. Vivez la parole de Dieu, n'est-ce pas bien nécessaire. Écoutez le message. Restez avec Jésus. Lisez les prédications des prophètes. Lisez la Bible.
est sorti de moi, qui m'a touché, qui m'a touché, touché Jésus, touché le Seigneur. Quelque chose est passé dans votre vie, quelque chose doit se passer. Nous sommes dans l'église de la perfection. Jésus a fait les parfaits de son église. Jésus a fait les parfaits de son guerre. Jésus a fait les parfaits de son âme. Ma soeur bien-aimée, mon frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a fait les parfaits. Touche Jésus. Alléluia. Alléluia. Remplis chaque personne, remplis la vie de chacun de vous, Seigneur.
que parmi nous, les gens remplis des faits divins, de la sainteté, de la perfection, pour la gloire de cette Église de Jésus. Nous sommes en train de noter l'Église avancée avec Christ, avancée avec le baptême du Saint-Esprit, avancée avec la perfection, pour la gloire de notre Seigneur. Seigneur, je prie pour tes enfants, ceux qui sont faibles, Seigneur, qui trouvent ta grâce, que tu les bénisses, que tu les verses les bénédictions dans leur famille, dans leur maison, les enfants à l'école, nos enfants à l'école, les enfants et à l'université, partout ils sont, bénis les affaires de leurs frères, leur travail, donne-leur les bénédictions qu'ils montent derrière, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui n'ont pas encore les documents. Donne les documents à la famille de notre bien-aimé, les frères qui viennent d'arriver et tous ceux qui viennent d'arriver. Accorde-les l'aide sociale, accorde-les, Seigneur, les grilles cartes, accorde la vie du travail et le travail à toutes ces familles. Protège le travail. Oh Dieu bien-aimé, descends et de la miséricorde avec nous. Aie pitié pour, Seigneur, les pauvres paroles. Aie pitié pour cette église. Oh Seigneur, les Chicago, Christ Assembly. Seigneur, c'est l'église chrétienne de Chicago. Bénis chaque personne. Remplis chaque personne. Sois vivant à chacun de nous. Vivifie nos âmes. Seigneur, approche-nous du calvaire. Approche-nous de la perfection. Approche-nous de la parole vivante. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, Église. Amen, au nom de Jésus. Amen, alléluia. Gloire soit à nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Amen.